Je suis très très heureux de vous retrouver ce matin et je salue tout le monde qui suit ces cours à distance. C'est toujours les cours informatique bureautique. Mon nom c'est Séméus. On va voir et d'autres choses et d'autres leçons pour ce deuxième chapitre. On avait terminé avec le premier chapitre. On va commencer avec le deuxième chapitre pour ce jeudi. Donc, on va partir, on va commencer. Pour commencer, je fais un rappel. Et on étudie informatique bureautique. Informatique vient de deux mots. C'est du mot information et du mot automatique, d'où c'est la science du traitement automatique et rationnel de l'information. C'est la science du traitement automatique et rationnel de l'information. Eh bien, tout de suite, on va parler de Windows. On avait vu, il y a plusieurs types de logiciels. Il y a des logiciels d'application de traitement de texte. Par exemple, WordStar. Il y a des logiciels d'application de calcul, par exemple, ou Tableur, par exemple, Excel. Il y a des logiciels d'application de base de données, par exemple, Access. Il y a des logiciels d'application de dessin, par exemple, là, il y en a Paint, il y en a Publisher. Il y en a des logiciels d'application de présentation. Par exemple, en PowerPoint. PowerPoint, c'est un logiciel d'application de présentation. Donc, c'est avec PowerPoint qu'on fait les présentations. Eh bien, il y a aussi des logiciels d'exploitation. Les logiciels d'exploitation, je vais dire que ce sont les logiciels qui permettent à l'ordinateur de s'allumer. Ce sont ces logiciels-là qui nous permettent d'exploiter le matériel ordinateur. L'ordinateur, sans les logiciels d'application, on ne peut rien faire avec. Eh bien, vous qui étudiez l'informatique bureautique, on va étudier ensemble Windows. Eh bien, Windows a une histoire. Windows a une histoire et cette histoire commence depuis Windows 93, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium, Windows XP, Windows 7, Windows Vista avant 7, mais puisqu'il y avait une faille dans Windows Vista, on a passé quelques mois avec Windows Vista et après on a sorti Windows 7. Donc maintenant, on est en Windows 10. On est en Windows 10. Donc c'est quoi Windows? Comme rappel, Windows, c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Windows est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Windows est un logiciel d'application à multiples tâches. Par exemple, ici, tout ce qui s'affiche sur l'ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez ici, ce sont des icônes. Ce sont des icônes qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur. Comme rappel, une icône est une représentation graphique d'un fichier ou d'un programme. Windows est Alors, au lieu de Windows, mon Dieu, une icône est une représentation graphique d'un fichier ou d'un programme. Ça, c'est la définition d'une icône. Donc, c'est la représentation graphique d'un programme, d'un fichier. Eh bien, maintenant, il y a l'écran de l'ordinateur qui porte le nom de desktop, ou bien interface, ou bien environnement de Windows. Quand l'ordinateur est allumé. Quand l'ordinateur est allumé, l'écran, on appelle ça environnement de Windows, desktop, écran, bureau. Maintenant, cette barre-là qui se trouve en dessous de l'écran porte le nom de barre des tâches. Barre des tâches ou taskbar en anglais. Barre des tâches ou taskbar en anglais. Et ce bouton-là, vous voyez là, ce bouton porte le nom de start ou démarrer. Start ou démarrer. Start ou démarrer, c'est
ce bouton-là. C'est avec ce bouton qu'on peut lancer n'importe quel programme. En cliquant sur ce bouton, je peux lancer n'importe quel programme. Voilà. Je clique sur le bouton Start. OK. Bien, comme je l'avais dit hier, Windows, c'est un package. Donc, si Windows est un package, on va avoir plusieurs petits programmes dans Windows. On va avoir plusieurs petits programmes dans Windows puisque c'est un package. Bien, c'est comme si c'est votre sac d'école. Il y a les cahiers, il y a le cahier de chimie, il y a le cahier d'espagnol et anglais et autres. Eh bien, Windows, c'est presque pareil. Donc, il y a plusieurs petits programmes. Eh bien, le premier petit programme qu'on va avoir en Windows porte le nom de Notepad. Notepad, c'est quoi Notepad? Notepad, c'est une bloc de notes. C'est un petit programme dans lequel on peut prendre des notes. On peut notifier quelque chose. On peut écrire. On peut préparer un agenda, par exemple. Donc, Notepad, c'est un petit programme. C'est une bloc de notes. Comment lancer Notepad? Pour lancer Notepad, on clique sur Start. Voilà. On clique sur Start. On recherche ici dans l'ascenseur vertical, on drague dessus, on descend en recherchant Accessories, vous voyez là, en recherchant Accessories ou bien Windows Accessories ou bien Accessories tout simplement. Voyez là, je cherche Windows Accessories ou bien accessoires si l'ordinateur est en français. Et si l'ordinateur est en anglais, c'est Windows Accessories ou bien Accessories. Donc, je clique dessus. Je clique sur Accessories. On clique sur Accessories. On recherche Notepad. En trouvant Notepad, vous voyez ici, c'est Notepad. On clique sur Notepad. Et voilà le lancement de Notepad. Donc, ça, c'est ainsi que Notepad est lancé. Donc, ici, Notepad est lancé. On va... Après ce cours, dans le prochain cours, voir comment qu'on peut étudier l'interface de Notepad et comment est composé l'environnement de Notepad. Je ferme ça et on va lancer encore à nouveau Notepad. Pour lancer Notepad, on clique sur Start. On recherche Accessories ou Windows Accessories. En le trouvant, on clique dessus. Je recherche Windows Accessories. Voilà, Windows Accessories. Je clique dessus. Et je clique sur Windows Accessories et voilà ici, je recherche Notepad et voilà Notepad, je clique sur Notepad. Alors là, c'est Notepad qui est lancé. On va voir comment est composé l'environnement de Notepad. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Donc, merci et n'hésitez pas d'inviter d'autres gens, vos amis, vos membres de famille à participer à suivre ces cours d'informatique qui sont offerts gratuitement par CTA qui est Centro, puisque le nom est en espagnol, Centro Tecnología de la América.